Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mario et DG Dream Team Bros. Et aujourd'hui du coup, ben, allez, on va déjà aller sauver ce monsieur qui nous attend de pied ferme, hein, du coup, depuis je ne sais plus combien de temps. Allez. Voyons voir un peu la carte, ce que ça donne. Ouais, ok. Mais allez, quoi, saute au-dessus là. J'arrive pas à sauter tout là-haut, quoi. Bon. Oh la vache, c'était juste quand même. J'ai l'impression que le son est hyper fort, mais bon. Me voilà enfin libéré de cette horrible malédiction. Je sens la présence de Cosinus Protector. Amis voyageurs, vous avez sauvé tous les Cosinus Protector. Ah bon? Vous avez notre gratitude. Voici le dernier, la dernière pierre somnant. La voie vers le temple vous est désormais ouverte. Mettez-vous en route, sans plus attendre, et libérez ce monde des forces du mal. Donc tout ce qui nous reste à récupérer en soi, c'est les fragments. Il nous reste à récupérer, c'est les pièces d'attaque. Il nous en reste encore deux. Du coup, il nous reste de l'autre côté aussi à vérifier. Parce qu'on a vérifié un côté, mais pas l'autre en soi, donc il peut y avoir une pièce d'attaque. Donc en soi, je veux aller là-bas. Je vais aller là-bas pour voir s'il n'y a pas une pièce d'attaque. Ah ouais, il y en a une. Hein.
Le son a l'air super fort, hein, quand même. Bon, je vais pas arrêter de le répéter, mais bon, après, c'est pas grave. Hein. J'aurais juste un peu à parler un peu plus fort et c'est bon, en soi. D'accord, c'était l'inverse. Nickel ça! Mario est toujours un peu en avance. Hein. Allez! Je l'ai pas réussi. Bon, en soi, un coup de marteau, et je pense que c'est bon. Pas encore toi, hein. Allez, zou, passe à la suite. Voleur arrivé, eux pas prendre grand pouf. Pas prendre, jamais. Mais vous allez nous lâcher une minute? Ça va, on a compris, bon. Vous pensez que le grand pouf est une divinité, très bien. Mais grand pouf être divinité, protéger nom nom. Protectionneur nom nom. Non, grand pouf, pas protectionneur. Non. Grand pouf être important, mais pas protectionneur. Hmm? Mais alors... Grand pouf doux, grand pouf câlin. Grand pouf bien roulé, nam nam aimé. Grand pouf bien volé, nam nam content. Nam nam toujours joué avec le grand pouf. Grand pouf rendre nam nam content, donc grand pouf être important. Important, ça quoi? Alors, c'est ça. En réalité, il m'amène ce grand, ce pauvre Cosinus. M'amène ça, quoi? Le Cosinus pétrifié qui détienne. Ça n'a pas l'air d'être un Cosinus protecteur, mais... Revivons-le quand même. Dites ce grand pouf-là, vous pensez que vous pourriez vous en séparer? Non, grand pouf trop important. Zut, c'est dommage. Je pensais que vous pourriez nous donner ce grand pouf. En échange, nous pourrions jouer avec vous, mais tant pis. Jouer? Bout de pas mentir, jouer avec Nam Nam. Oh yeah. Jouer avec Nam Nam nous donner grand pouf. Bout, les moustaches rendent Nam Nam super content.
Oui, vas-y, on va jouer parce que comme ça, ils nous donneront le cosinus. Ah, il y a un nombre de sauts limité aussi. J'avais pas fait gaffe. Comment on fait alors? Mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui bloque vraiment. Ah non, c'est pas possible. Bon, je ne comprends pas là parce que... Et là, c'est pas possible en fait. Ouais, mais en même temps, s'il donne un premier qui est pas possible à faire, voilà quoi. Ouais, bon, ça va, c'est jamais les mêmes, mais bon. Bon, j'ai déjà raté. Génial. Mais il s'est fait exprès pour m'emmerder tout ça. Si je vais en bas, je pourrais pas retourner ici en fait. Bah non, ouais, c'est pas possible du coup. Mais on peut pas y aller en diagonale aussi.
Ah non, c'est pas possible, du coup. J'ai soit pas de cerveau, soit je ne comprends pas, en vrai. Ah non, voilà quoi. Et voilà, je suis emmerdé. Je peux pas. Bon, allez vous faire. C'est pas possible. Hein. Sinon, je comprends vraiment pas comment faire. Mais bon, clairement, là, je sais pas. Je ne comprends rien à leur truc. Les premiers étaient simples, mais celui-là... vas-y, il est casse-pied, hein. Alors, voyons voir. Non, mais non! Laisse-moi poser le dernier, s'il te plaît. Voilà, une attaque frère. Planche jette, ok. Comme ça, on pourra aller partout, hein. Écoute, c'est bien. Ok, il nous reste un endroit. Bon, allons-y. Nous sommes au temple Cosinus, du coup. Voici le temple Cosinus. Regardez au milieu. Cet endroit dégage une aura immensément puissante. Ce temple est la porte qui mène à Protodor. Qu'est-ce donc? Il y a quelque chose à l'emplacement où... même où nous devons placer le lit. Impossible de lire, de mettre le lit ici. Mario, pourrais-tu m'aider? Tu veux pas me dire que c'est un boss? Si.
Oh, petit c'est quoi ça? Une arme de l'ancien temps créée pour défendre le royaume Cosinus. Il a dû être placé pour protéger le temple. Il n'a pas l'air de rigoler. Mario-Luigi, soyez prudent. Mais je me suis même pas soigné. Scan des ennemis potentiels. Chance de victoire 120%. Maintenez B enfoncé pour accélérer. Rapprochez-vous de l'ennemi, puis appuyez sur A. Ok. On va tester. Il a esquivé? Bon, il esquive les coups de marteau. Je peux supposer qu'il esquive les coups de marteau. Mais comment t'es censé deviner lequel c'est le bon, sérieusement? Je fais des bêtises. Ça va pas aller ça. C'est un boss que je vais galérer. J'arrête pas de faire des conneries, sérieusement. Venez, j'ai les meilleures attaques. Il fait mal hein, quand même le monstre. Bien sûr, il faut que tu soignes. Hein. Attends, il y a des choses à détruire. Il y a les ailes.
Ah. On s'en fout. On attaque et c'est tout. Mais je fais des bêtises, sérieusement, arrête de faire des conneries. J'en ai marre de faire des bêtises tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps les mêmes combinaisons, hein. Bien d'attaquer ses ailes. J'en ai marre. Je suis vraiment nul, hein. Ennemi encore en activité, pourquoi? Je peux pas esquiver, je suis étourdi. J'arrête pas de crever, c'est pas possible, hein. Vas-y, on va péter ton aile. J'ai raté. Augmenter en situation de l'anxiété. Va te faire. Allez, vas-y. Mario, Luigi, Mario, Mario, Luigi, Luigi, ok. Activité au regret. Requête, amour propre.
Bon, on va réessayer, mais bon. J'ai raté! C'est une osée. Bon, j'arrive à rien. Bon, pourquoi j'arrive à rien là? Reviens dans 1000 ans. D'accord. Bon, j'arriverai à rien là-dedans. Mais il fait trop mal, sérieusement. Regardez-moi, c'est dommage. 40 de dégâts, sérieusement. Je suis dans une boucle où je soigne et je fais rien d'autre. Allez, crève! C'est bon là, j'en ai marre de ta gueule. Mais voilà, et je fais des bêtises. Mais quoi? Mais va crever! Bon, autant recommencer, hein, j'ai envie de dire, parce que là, ça sert à rien. On n'arrive à rien.
C'est bon, tue-moi. Hop, on va se soigner déjà. Avant de commencer le combat, on va se soigner déjà. Parce que c'est bon. On n'indique rien, on commence un boss et puis voilà. Puis finalement, on crève pour rien parce que voilà, on n'indique rien dans ce jeu. Voilà, alors là, hop, on re-sauvegarde. Bon, ça on skip du coup. Allez, on attaque directement la tête et on s'en fout des ailes. Mario, Luigi, Luigi, Mario, Luigi, Mario, ok. Mais voilà, ça commence déjà bien. Mais je l'ai renvoyé, 92, mais c'est sérieux ? 20 fer, clairement. Mais... j'y arrive pas. Ça commence déjà mal, hein, vraiment. Et le son est hyper fort. Mais voilà, 90 et après des centaines de dégâts, hein, c'est bon. En fait, ici, il venait niveau 100, quoi, clairement. Oui, mais bon, je râle donc je suis rien aussi. 4, 3, 2.
Mais je le savais, je le savais. Mais je lui saute dessus, hein, mais qu'est-ce qu'il te faut en plus, sérieusement? Je sais pas ce qu'il te faut de plus, mais bon, je lui saute dessus, hein. Oui, hein, bien sûr. Merde! Je pensais pas qu'il allait me le renvoyer. Bon, on se concentre un minimum, sérieusement. Mais oui, hein, je le frappe, mais bon, non, ça marche pas, hein. Mais va te faire foutre, sérieusement. Mais je te saute dessus, arrête! Il faut lui sauter où, sérieusement, pour qu'il s'arrête à... Mais je comprends rien! Il n'y a rien à comprendre dans ce putain de boss. Hein. Il n'y a rien qui est logique. Mais c'est quoi ce OK, sérieusement?
Génial, autodestruction. Yeah! Putain de boss à la con, je te jure. On dirait que la voie est libre. Bah oui, enfin. Mario, nous devons faire sortir Protodor du monde onirique. Bienvenue dans le monde onirique des bois somnants. La zone la plus sacrée de la... du plus sacré du monde onirique. Oui, seuls ceux qui dorment sur l'Ultili peuvent accéder à cet endroit. Et il y a une bonne raison à cela. Protodor se trouve à la cime de cet arbre. C'est hallucinant, n'est-ce pas? Vous n'y croyez pas, hein? Vous rêviez de le rencontrer, hein, Protodor? Je parle de Protodor. Vous vous demandez combien mesure cet arbre? Eh bien, pour vous dire la VTA, même moi, je ne connais pas la réponse. Il est très grand. Oui, cet arbre est immense, mais ceci sera votre épreuve. Une épreuve qui vaut le coup, car vous rencontrerez Protodor. Je dois cependant vous prévenir, il est très facile de se perdre ici. Les impasses peuvent avoir des passages, et les passages secrets sont légion. Déjà, au départ, au début Nino, hein, y a un passage secret apparemment. Aucun chemin ne trouvera, tu ne trouveras si tu reviens sur tes pas. Les pièces sont devant, change le temps. Les pièces sont devant, change les monstres en trésors. Du coup, c'est des énigmes. On cache un chemin, tu ne trouveras si tu reviens sur tes pas. Les pièces sont la voix. Je regarde un peu la carte, mais on a loupé quelque chose derrière là. Parce que là, ici. Carte. Entre les deux, là, il y a quelque chose, en fait, normalement. Mais...
Il y a rien. Il y a rien sans avoir... mais il y a quelque chose en même temps. Ok, il reste plus qu'un monstre. Mario, il va encore monter avant Luigi, hein. Un coursi, bien joué. Cela devrait nous féliciter et nous aller retour dans le niveau, dans les niveaux du dessous. J'aime bien votre manière de faire. Ça me donne envie de dormir sur vous. Oh. C'est juste une blague, hey, juste une blague. Je vous ai pas choqué au moins. Phew! Personne ne vous a jamais dormi dessus. C'est juste une impression de Cosinus. Enfin, la voie est encore longue jusqu'à la cime. Peut-être aimeriez-vous vous prendre une petite pause, non? Même si on ne peut pas faire de sieste sur un ami, le repos reste quand même quelque chose d'important. C'est le bordel ici, sérieusement. Je vais sauvegarder et je vais m'arrêter ici. Oui, parce que c'est le bordel complet. Et je ferai ça à tête froide. Je suis un peu énervé à cause du boss. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Salut et bye bye.